What's up tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui on va parler de GTA 5. Mais avant, il y en a qui vont se foutre de ma gueule et tout. C'est juste au niveau de mes miniatures. Bon, je sais, il y en a qui vont me dire ah c'est de la merde et tout, tu sais pas faire les montages. Oui les montages photos et tout, c'est vrai que je suis pas très 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 doué. Parce que normalement je suis censé être un vidéomaker et pas quelqu'un qui fait du GFX ou un truc comme ça. Donc voilà, je fais des petites miniatures et tout, j'essaie de m'amuser un peu parce que en ce moment je suis un peu en mi-vacances et mi-recherche de stage, hein, pour les gens qui savent. Et donc c'est pour ça en fait, je voulais juste un peu aujourd'hui, pendant quelques heures, regarder un peu au niveau de mes miniatures, si je pouvais mettre ma tête et tout pour rigoler, mettre des têtes bizarres. Donc oui, s'il y en a que ça fait chier ou qu'ils trouvent ça super drôle, bah tant mieux, hein. Ou s'il y en a qui trouvent c'est de la merde et tout, bah... comme ça, c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui on va donc parler à propos de GTA 5 sur ce fameux nouveau DLC qui arrivera d'ici très peu de temps. Donc DLC braquage, DLC heist, comme disent British ou aux United States, aux States comme on dit. À propos de quelques petites informations supplémentaires, dont une chose vachement cool qui est sortie d'ailleurs encore par la même personne, dont son Twitter c'est FunMW2. Je pense que vous devez un peu connaître maintenant, parce que en fait dans la, dans ma précédente vidéo, j'avais parlé aussi de lui qui on va envoyer des leaks et tout, et c'est une personne on peut dire qui a vachement de notoriété en fait, parce que quelque part il dit des choses qui ne sont pas encore confirmées par Rockstar, mais que petit à petit le temps passe et on se rend compte en fait que ce qu'il dit, bah ça paraît vachement vrai. Et franchement il sort des trucs, des informations de code source et tout, et on bad, voilà, on regarde comme ça les informations et il faut, ah ouais en fait lui c'est un doué. Alors on sait pas comment il fait ça et tout, je pense que ça doit être l'ennemi numéro un de Rockstar, parce qu'il est en train de divulguer des trucs qui ne doivent pas vraiment leur plaire, parce que le spoil, alors le spoil pour Rockstar c'est la chose qui ne plaît pas vraiment pas. Et donc qui a fait, qui a envoyé un leak d'une image et autre chose aussi, puisqu'il a pu mettre des gameplays. Alors c'est pas vraiment lui qui a mis des gameplays, mais il y a d'autres youtubeurs qui ont mis des gameplays sur YouTube. Donc je vous donnerai à la fin de cette vidéo là qu'est-ce qu'il faut taper. Excusez-moi, il y a un SMS, pop. Mon téléphone il dégage, voilà, sur mon lit. Je revenais à mon sujet. Donc en fait en gros ce qui se passe c'est qu'il envoie un leak on peut voir sur l'image, donc là que je suis en train de regarder, Trevor sur le bateau, sur le ce fameux yacht. Le yacht en fait à laquelle voilà, on va avoir ce fameux une grosse partie de ce fameux DLC braquage qui se passera dans cet endroit là, qui est situé juste à côté de la fête foraine. N'essayez pas d'y aller parce que normalement il n'y est pas encore. Mais en fait lui il a pu, alors je ne sais pas comment, il a pu en gros mettre le bateau dans Los Santos en fait, comme s'il y avait ce fameux DLC qui est déjà paru. Et en gros il est arrivé à mettre ce bateau là dans Los Santos, et il a pu montrer à peu près comment ça va se dérouler et tout, et c'est vachement intéressant. Donc si vous êtes intéressé et tout, voilà, c'est une petite vidéo informative, je vais vous montrer le screenshot sur l'écran. Je vais pas vous montrer de gameplay ou de trucs comme ça parce que ça vient pas de moi et je vois pas l'intérêt de vous montrer ça, donc plus à vous de faire la recherche sur internet. Je suis juste en train de vous informer que voilà, en tout cas ça s'approche. On prévoit d'ailleurs ce DLC en milieu février. Maintenant, il y en a beaucoup qui commencent à en parler à propos de... bah, au milieu de mois de février, ça risque de sortir. Donc ça risque d'être vachement intéressant, je pense. Et surtout, ce leak-là, cette image qui a été leakée, ça m'a fait vachement plaisir. Et en plus de ça, j'ai adhéré un peu des gameplays sur YouTube. Donc vous mettez, je sais pas, GTA 5 Online, Gameplay, Heist, vous mettez Yacht. Et donc YATCH, hein, comme le titre l'indique, parce qu'il y en a qui savent pas l'écrire. Et donc vous regardez un peu et voilà, vous allez voir des gameplays sur ce bateau là. Je pense même si on l'a déjà fait dans un mode histoire, vous devez peut-être le connaître. Mais voilà, je trouve qu'il est vachement bien réalisé et tout, et ça peut être super cool pour des petits scénarios, des trucs comme ça. Sachant que ça passe se placer en fait que dans cet endroit là, le DLC, ça se placera aussi dans d'autres endroits, dans d'autres localisations géographiques. Donc ça risque d'être vachement intéressant, je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas je pense que c'est une très bonne idée déjà de le faire à cet endroit là. Et puis surtout regardez au moins des gameplays sur YouTube et tout. Je pense que vous allez trouver par vous même si vous allez taper ce que je vous ai conseillé. Et puis avec la deuxième petite information, c'est qu'on pense en fait, il commence à avoir des leaks et tout.
qui va sortir en milieu de mois de février. Il y a aussi eu d'autres informations qui ont apparu, je crois, il y a moins de 20 minutes. J'ai pas pu trop regarder. Il y aura, à mon avis, une vidéo demain ou après-demain pour vous expliquer au niveau des dernières informations de GTA 5 sur le DLC Heist. Voilà, merci pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout, même si sur ma page Facebook personnelle, c'est juste une petite vidéo bonus. Je vous ai dit comme quoi, voilà, des fois, je vais vous sortir des vidéos comme ça qui vont vous permettre vraiment d'être dans l'actualité. L'actualité, vraiment, au niveau des dernières heures sur GTA 5, donc ça peut apparaître à minuit et des trucs comme ça, des fois les vidéos vous allez être choqués et mais voilà, merci pour tous les gens, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out, et ne regardez pas trop mes miniatures parce que je suis en train de faire mes montages et tout, et c'est vrai que je suis pas très très doué encore en montage. Voilà, j'ai fini, Coca.